J'ai dit, où est ton mari? Au voyage, il a voyagé, il est au voyage. Cette fille était en train de plaisanter. Ok. C'est bon. Écarte tes jambes. As-tu cherché partout? Oui, boss. J'ai cherché partout. Tu m'assures que tu as cherché partout? Oui, boss. Trouve-moi cette fillette. Cherche partout dans la cuisine, salle de bain, chambre, partout. Joli. Mon pote. Je dois consommer ça vite. Écarte tes jambes. Laisse-moi, maman. Laisse-moi, maman. Méchant, laisse-moi, maman, laisse-la. Alors, ma chère, comment s'est passé les dossiers d'Abuja? La loi l'a emporté. Ok. Et Stadeola? D'après ce qu'a prévu le code pénal, la partie insatisfaite peut faire recours. C'est une démarche qui peut être autorisée que grâce à l'autorisation d'un juge. Mais à part ça, les plaignants ont obtenu justice. Oh, super! Super! Ouais. Ma copine, ça fait très longtemps. Comment tu vas? Je vais bien. Oh, et toi? C'est très bien. Ma belle. Ouais? Je tiens à te dire que je suis désolée de ne pas t'appeler. Ah non, ça ne passe pas. Oh, voyons. Oh non, sérieusement, tes excuses sont acceptées.
Alors, ma copine, raconte un peu. Concernant quoi? Tu en es où? Ta relation amoureuse, bien sûr. Quoi? Célina, est-ce que je dis quelque chose de mauvais? Babe, mais c'est quoi? Les hommes. Les hommes. Oh mon Dieu. Oh ma chérie, désolée, je ne savais pas. Sinon, je ne te poserai pas une question dans ce sens pour te déranger. Oh mon Dieu. Oh, oh s'il te plaît, ma chérie, je suis désolée. C'est qui m'appelle encore? Allô? C'est qui au téléphone, s'il vous plaît? Ok, ok, je vais te rappeler après. Je suis un peu occupée, hein, tu vois? S'il te plaît, je vais te rappeler. Oh, non, 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 ne fais pas ça, s'il te plaît. Ce n'était pas dans mes intentions, tu vois? Apaise-toi. Pardon. Oh, je n'ai pas souhaité de faire revivre encore cette douleur. Oh mon Dieu, ces garçons vraiment... Sérieux, qu'est-ce qui est drôle? Ne me dis pas que tu n'avais pas apprécié les colis que je t'avais apporté l'autre fois. N'ose même pas. Je sais que tu n'as pas changé. Et tu ne changeras jamais. Changé? Toutes ces jolies demoiselles que tu arranges pour moi. Dis-moi, quelle magie tu utilises pour les avoir? Bon, disons que certains ont des compétences, d'autres les talents, et d'autres encore ont les deux. Et là, je parle de gens comme nous. Tu sais quoi? C'est que je ne crois pas en ça. Tu ne crois pas, c'est ça? Je crois que tu utilises quelque chose pour les attirer. Oh, man, ce n'est pas ça qui m'a amené ici chez toi. Hein? Je ne suis pas ici pour parler de tout ça. Hein? J'ai un nouveau colis pour toi. Colis? Oui, et c'est un colis complet. Maintenant, tu es intéressé. En fait, je suis déjà intéressé. Elle a une très belle taille, elle est élancée, très jolie. Ouh. Elle est intelligente. Hein? C'est d'ailleurs une avocate. Avocate? Oui, une avocate. Oh oui, mais le plus important, c'est... Elle s'est bien bougée. Ouais. Arrête ça, comment t'as su? J'ai dit que c'est une fille qui respecte le principe. Tu me connais bien lorsque j'étais pas... D'ailleurs, dans pas longtemps, toi-même, tu vas la découvrir. Tu verras toi-même. Pourquoi parles-tu comme ça, non? Toujours toi avec ta bouche. Tu sais, tu dois me donner certaines de tes potions magiques. Je vais passer ça sur moi avant de la rencontrer. Tu veux que je te les donne? Dis-moi, tu sauras les supporter? Juste une petite partie. Je suis sérieux de ça. Laisse-moi tout ça. Parle-moi, non? Attends. Qu'est-ce que tu veux encore? Rien n'a changé, on fera comme toujours, non? Comment? Toi non, quand est-ce que tu vas me connecter? Attends d'abord, tu me dois beaucoup. Je ne sais même plus compter. Tu me dois énormément. Gare, hein? Si je commence à compter ici, laisse-moi tout ça. Tu ne vas jamais changer.
grâce, une madame. Que veux-tu que je fasse pour toi? Madame, je voudrais que vous vous remettiez en couple avec un homme. Et pas un homme ordinaire, mais avec un homme qui a de la prestance. Un homme qui va vous aimer. Un homme qui va vous traiter comme une reine. S'il vous plaît, madame, donnez à l'amour une dernière chance de s'exprimer. Ma chère, je vais bien. Tu m'appelles à 7h. Tu n'es pas à la maison, hein? Oh non, je suis encore à Abuja. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ma chère, essaye d'imaginer. Grace a renseigné un gars sur moi. Et ce n'est pas tout. Elle lui a même dit quand il fallait m'attendre devant la cour. Ok. C'est donc pour lui que tu as prolongé son séjour. Ma chère, le gars tenait à ce que je prolonge encore mon séjour ici. Donc, il m'a fait loger dans un hôtel. Quoi? Pourquoi c'est... Oh non, il n'y a rien. Sois juste sage, ah, ok? Promis, je le serai. Bon, ma chère, je dois me lever tôt demain pour me rendre à la cour. Je te verrai au retour. Allô? Oui, je t'entends. Oui, bonjour. Oui, j'ai bien dormi. Et toi? T'as aussi bien dormi? Oh! Non, non, je ne peux pas. Je quitte déjà les gosses ce matin. Oh. Sidney, je t'en prie, j'ai quelque chose de très important à faire à les gosses. Je ne pourrais pas voir tes parents, non? Sidney, je t'en prie, ne me fais pas ça. Tu peux pas m'appeler juste comme ça pour me dire que je dois aller voir tes parents. Très bien, très bien. Bon, donne-moi juste 10 minutes et je serai prête. Oui, quand t'arrives, attends-moi dans le hall, je vais te rejoindre. Ok, bye. Mince. Mère. Père. Voici Selina. Selina est une avocate par profession. Père. C'est une bonne vocation qu'elle a eue. C'est bien. Ma fille, tu es la bienvenue. Merci, monsieur. Selina, mon fils présent ici m'a beaucoup parlé de toi. Ah oui. Concernant la fille qui vous a mis en contact. Son père a travaillé pour moi pendant plusieurs années comme cuisinier, avant de décéder au moment où j'étais commissaire.
À chaque fois que cet incident traverse mon esprit, ça me fait très mal. Mais nous ne pouvons pas remettre en question Dieu. Que son âme repose en paix. Amen. Chérie, s'il te plaît, pardonne mon comportement. Chérie, qu'est-ce qu'on offre à Célina? Ah, ok. Dites-moi, je vous offre quoi? Non, non, père, s'il te plaît. Mère, ne vous inquiétez pas. Je prendrai soin d'elle. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de nous. Laissons-les libres. Bien sûr que oui. Célina, une fois encore, tu es la bienvenue. Tout ce que tu voudras, juste fais-le-moi savoir. Pourquoi tu n'es pas à l'aise? Quoi? Allez, reste-toi à l'aise pour moi. Grave. Viens ici. Arrête. Eh bien, Célina, ma chérie, dis-moi, c'est quoi ta motivation de faire le droit? Je dirais simplement pour la cause des droits de l'homme. C'est une question de nécessité. Il faut des juristes pour s'assurer de l'application et la protection des droits de l'homme à travers le monde. Waouh! C'est très intéressant. Je n'ai jamais pensé à ça dans cet angle. Eh bien, tu es libre. Tu peux prendre. Merci, madame. Céline, qu'est-ce qu'il y a? Ce jeune homme s'est approché de moi, à l'extérieur de la cour, juste après la session. Il s'est présenté à moi, et qu'il avait su là où je me trouvais, à travers grâce. À travers grâce? Que veux-tu dire? Ça n'a rien à voir. Et moi, j'y vis depuis très longtemps. Ah. Oui, madame. Intéressant. Est-ce que vous avez besoin d'aide par ici? Oh, ça a déjà été réglé. Tu sais, il me reste moins de 2 semaines pour mon séjour. Oh, ok. Que Dieu vous garde et bon voyage. Amen, grâce. Au fait, grâce, viens. Comme tu m'as dit que tu vivais de ce côté-là, tu peux m'en dire un peu plus sur ce milieu? Est-ce que c'est un endroit sécurisé? Les gens qui y vont, est-ce qu'ils y vont juste pour des rencontres? C'est un milieu que je comprends pas, tu vois un peu? À vrai dire, ma fille, je ne vois aucun mal si grâce emmène un homme auprès de toi. Et en réalité, tu es censée avoir au moins un homme à ce stade de la vie. Tu dois t'attendre à ça, c'est naturel. Qu'en est-il de Sydney? Sydney? Il est plus intéressé par le sexe que l'amour. Ou alors il ne sait pas ce que c'est que l'amour. Excuse-moi, papa. Sophie! Ah! Daddy! Bonjour!
Bonjour Sophie. Mm-hmm. Comment était ta nuit? Bien sûr que oui, papa. Très bien. Je crois que c'est le même pour toi aussi. Oui, ça a été un joli titre. Comment faire face aux défis de la vie? Un très bon oui, livre. Oui, Daddy. Alors dis-moi, comment va maman? Elle va bien? Maman est sortie très tôt le matin. Elle devrait se rendre à une réunion d'affaires. Oh mon Dieu. Oh, maman ne cesse de m'étonner. Donc elle est déjà sortie très tôt matin pour le business. Ah oui. Pendant que son partenaire venait juste d'arriver du voyage. Elle devait rester ici se reposer, non? C'est ça le problème avec ta mère. Toujours occupée. Très occupée. Père, j'aimerais saisir cette opportunité pour t'informer que je veux emménager à Lagos. Non. Mais pourquoi? Père. Ce n'est pas nécessaire. Tu as presque tout ici. Ouais, je le sais, mais j'aimerais aller là-bas pour voir quelles seront les opportunités là-bas. Tu vois? Non, mon fils. Tu ne les feras pas. Père, j'irai. J'irai où t'inquiète, ton petit garçon a grandi. Je peux prendre soin de moi-même. Nelson, es-tu sûr que ce que tu es en train de dire est la bonne chose? Bien sûr. J'y ai réfléchi, je sais que c'est une bonne décision. D'aménager à Lagos. C'est la bonne décision. Père, je ne vais pas te décevoir, ok? T'inquiète. Chérie, c'est quoi le problème? C'est Céline. Elle ne prend pas mes appels. Mais il est déjà à l'aéroport pour les gosses. Il voyage pour une rencontre. Et pourquoi tu n'as pas appelé Grace? Pour lui demander l'adresse de Célina. Elle peut en savoir plus. Qui sait? Tu ferais mieux d'aller le voir. Que penses-tu? Mère. Mmh? Ça c'est bien. Tu vois, c'est pourquoi je t'aime. Je ferai ça. Je suis toujours là pour toi. Merci beaucoup, mère. De rien, mon fils. À chaque problème, il y a toujours une solution. Vous
êtes vraiment un grand sénateur. Et donc, c'est comme ça que vous avez évolué. Ce n'est pas de notre faute. Bon après-midi, monsieur. Comment vas-tu? Je vais bien. Monsieur, votre téléphone? Merci. Je vous en prie. Ingénieur Dave, je suis ici au nom de mon fils Sydney. Il est amoureux de votre fille. Votre fils? Oui, mon fils Sydney. Votre fils est quelqu'un de très gentil, monsieur. Mais sauf votre respect, je refuse de m'engager dans une quelconque relation de couple pour l'instant. S'il vous plaît, monsieur, excusez-moi. Papa? Oui, ma fille. Bien, monsieur, monsieur le sénateur, écoutez. Ma fille a vécu une tragédie quand elle était encore trop jeune. Trop jeune alors, je dirais. C'était vraiment une circonstance horrible. Et c'est comme ça qu'elle a perdu sa mère. Et moi de même. S'il vous plaît, comprenez. Quand elle est rentrée d'Abuja, elle m'a dit beaucoup concernant votre fils. Que Sini était un garçon très gentil envers elle. Et qu'il avait fait beaucoup de choses pour elle. Mais la vérité, monsieur, est qu'elle n'est pas encore prête. Et alors, je vais quand même lui parler. Je comprends. Mais je veux qu'elle comprenne à quel point l'amour de mon fils pour elle est intense. Mon fils n'est pas à l'aise et je veux qu'il soit à l'aise. La seule chose qui peut arranger ça, c'est votre fille. Bien, vous voyez, sénateur, d'homme à homme, vous et moi comprenons très bien comment l'amour fonctionne. C'est toujours comme ça, tel que je viens de vous dire. Je prendrai quand même le temps de lui parler. Rappelez-vous, vous pouvez emmener un cheval au ruisseau, mais pouvez-vous le forcer à boire? Je ferai ma part. Ok, d'accord. Merci. J'ai un rendez-vous à ne pas manquer. Oui. Bien. Pas d'excuses. De ne pas m'approcher à chaque fois que tu sens le besoin de rentrer en politique. Oh, ça m'intéresse. Oui, ça m'intéresse. En fait, je ne peux que vous remercier pour l'information, mais nous aurons plus de temps d'en parler en profondeur. Oui, tu as voilà. raison. Vous savez, ça fait partie quoi de mes rêves. N'hésite pas de m'approcher. Merci. Merci vraiment. Au revoir. Pourquoi il a fallu que tu donnes au père de Sydney mon adresse? Madame, s'il vous plaît, pardonnez-moi. S'il faut être honnête, tout le monde dans cette maison, y compris votre père, serait content de vous voir avec un homme. Un homme qui pourra vous redonner goût à la vie. Un homme qui saura remplir ses tâches masculines dans votre vie. S'il vous plaît, pardon, n'en voulez pas. Allez, écarte tes jambes. Laissez-moi, maman, laissez-moi, maman, laissez-moi. Méchant, laisse-la. Navré pour votre perte, madame. Vraiment navré. Mais vous avez quand même encore besoin d'un homme. Tous les hommes ne sont pas pareils. Voilà mon point de vue. Ok.
Apporte-moi à boire. Tout de suite. Un verre d'eau. D'accord, madame. Madame, vous m'avez appelée. Oui, je t'ai appelée. Tu as fini là-bas la cuisine parce que mes visiteurs seront là d'un moment à l'autre. Je le serai bientôt, madame. Ok, je t'avais appelée juste pour ça, ok? Entendu. Mon bébé, bon retour. Chérie, tu m'as beaucoup manqué. Tu m'as manqué aussi. Bienvenue, chérie. Tu es encore plus beau, bien que tu sois fatigué. Comment était ton voyage? C'était bien, c'était bien. Vraiment? Ouais. La nourriture sera prête dans peu de temps. Dans l'entretemps, est-ce qu'on peut monter en haut? J'ai 2-3 choses à te dire. Je vais te raconter tout ce qui s'est passé à ton absence. Qu'on profite de prendre aussi notre temps. Je vais récupérer les temps que j'ai manqué. Ça, c'est ma chérie. Bébé. Je crois que je n'étais pas en contact avec une femme. Mais touché. Hein. J'espère bien que je ne suis pas en contact avec possible. Qui que ce soit. Hein. Ce n'est pas possible. Es-tu sûre? Es-tu sûre, chérie? Je t'aime. Je t'aime aussi. Tu m'as manqué. C'est moi qui t'aime plus. Tu m'as beaucoup manqué. J'ai manqué même le sommeil. Tu peux imaginer. Lily était devenue très grand pour moi. Père, de toutes les indications, Célina ne veut rien avoir avec aucun homme maintenant. Je vais te conseiller de lui donner du temps. Père, est-ce que tu l'as vu? Tu l'as vu en personne? Est-ce que tu as pu lui parler? Oui, je l'ai fait. J'ai aussi découvert que son père est un homme gentil. Et il aimerait de te voir avec sa fille. Mais ses mains sont liées. Ses mains sont liées comment? Ses mains sont liées parce que tu n'as pas fait ce que tu étais supposé faire. Ouais, père, offre à cet homme un contrat. Quand tu lui offres ce contrat, Célina sera eue. Elle sera mienne. Et je ferai d'elle tout ce que je veux. Oui. Oui, fais-le. Fils, donne-lui encore un peu de temps. Mère, ce temps, est-ce que je n'ai pas? Je n'ai pas le temps. Tu dois disposer le temps. Ça te donnera des stratégies. Tu sauras comment la voir. Je n'ai pas. Écoutez, je veux Célina maintenant. Pas demain, pas après-demain. Maintenant. Mon fils, je te comprends. Mais essaie d'écouter ta mère. Désolé, père. Je pense que je dois faire face à la situation moi-même. Je vais la gérer. Demain, je voyagerai. Laissez-moi aller m'apprêter pour ce voyage rapidement. Céline, mère, s'il te plaît, mère. Non, t'inquiète pas, ça va. Tu sais, laisse-le qu'il aille essayer. Peut-être qu'à cette occasion, Céline, tu sais, pourrait l'écouter. Et si ce n'est pas le cas? Ces enfants, je vais... Non, ça va, laisse-le. Sydney est en amour. C'est un homme amoureux. Mais ça me dérange, chérie. Ça va, crois-moi. Ça va aller, d'accord? Ça va. Vous êtes sûr de ne pas vouloir entrer pour l'attendre? Grâce. Ça fait la troisième fois que tu me demandes de venir à l'intérieur. Et pour la troisième fois, s'il te plaît, je suis bien ici. Merci. Sur son lit de mort, mon défunt père m'avait raconté comment votre père avait été bon envers le mien. Comment il avait été très bien traité et considéré en tant que cuisinier. Et vous ressemblez aussi beaucoup à votre père. C'est vraiment un homme bien. J'apprécie ces mots. Je vous en prie. Ça va.
Oh, madame est rentrée. Salut, Sydney. Bienvenue. Merci. Pourquoi tu ne l'as pas installé dedans? Mais j'ai essayé. Il a dit qu'il vous attendait ici. J'ai proposé, mais il a refusé. Mais tu aurais dû insister. Bien sûr, j'ai essayé, madame. S'il te plaît, elle l'a dit, mais je lui ai dit que j'étais bien ici. Maintenant que je suis là, on peut entrer? Non, Céline. Je suis... Désolé pour ne pas t'informer avant de venir. Céline, je ne sais quoi faire. Depuis que je t'ai vu sortir de notre maison, je n'arrive pas à me retrouver. Je ne fais que penser à toi et... S'il te plaît, je veux faire quelque chose de sérieux avec toi. Ouais. Mon père était hier ici, mais il n'est pas revenu avec une réponse positive. Je t'en prie, accepte-moi. Je t'en prie, Sydney. Nous sommes déjà amis. Mais c'est une amitié avec des limites. Je suis désolée, Sydney. Mais c'est pas quelque chose que j'ai envie de vivre à ce moment de ma vie. Et je m'attendais à ce que tu me comprennes. Je l'avais déjà dit à ton père et je suis contente qu'il te l'a fait savoir. Céline. S'il te plaît. Je perds la tête. Oh, je t'en prie, Sydney. Arrête-moi ça. S'il te plaît. En plus, nous ne sommes pas à l'endroit approprié. Est-ce qu'on peut simplement pas entrer, nous détendre et parler d'autre chose? Allez, entrons. Oh père, je pensais que tu étais à l'intérieur, je te cherchais. Tu as dit que tu voulais qu'on discute de quelque chose. Assieds-toi. Mon fils. Ouais père. Comme Céline n'accepte pas ton avance, je te conseille d'oublier cette fille. Oublie Céline, mon fils. Cherche une autre demoiselle. Père. Père, tu sais que je l'aime tellement. J'aime Céline. Je ne pensais pas dans cette direction. Mais comme tu viens de le dire, je vais essayer. J'ai rencontré quelques filles la dernière fois et l'une d'entre elles m'a plu. Père, la façon dont elle a parlé lorsqu'on s'échangeait, je crois qu'elle est intelligente et aussi laborieuse. Peut-être je vais l'essayer voir. Bien, ça c'est intéressant mon fils. Chaque femme est unique et différente. Hein? Donc... Fais quelque chose. Tes yeux sont trop jolis. Merci, chérie. Je sais pas trop pourquoi, mais je me sens tellement à l'aise quand je suis à tes côtés. Je t'aime vraiment beaucoup, mon chéri. Je t'aime aussi.
Oui. Est-ce que tu as essayé de parler à Tom à propos de Selena? Oui, c'était déjà fait. La dernière fois qu'on était ensemble, je lui avais parlé de Selena. Je lui avais tout dit. Hein. Tu sais, ça commence à me frayer. Ça me fraye. On dirait que ça prend une autre Pourquoi allure. Tu dis ça? Est-ce à cause d'un probable rejet? Oui. C'est un petit problème, ça. Ça ne posera pas ouais. problème, j'espère. Ouais, de ma part, j'ai l'impression que ce dont vous parlez, c'est de tomber amoureux un jour. Si c'est moi, mon amour gagnera, croyez-moi. Franchement, tu me fais rire, mon frère. Je veux que tu sois à la hauteur. Fais-moi confiance, gars. Non, okay, je te ferai confiance comment okay, je dois voir, bon. Non? On est déjà arrivé ici. Descendons juste. Exactement. Okay. Ouais. Et on le voit. Mais regardez-moi qui est là, toi, viens ici. Hein? Mais regarde-toi comment tu es belle comme ça, tout. Merci. Wow. Oui, ça va, merci. Bonjour. Salut. Tony, ça c'est mon amie Selena. Bébé, lui c'est Tony. Et notre ami, il avait très envie de te voir. Oh. Ah oui, hein, exactement. Et enfin, c'est un plaisir de te rencontrer. Ah. Wow. Mais tu ne m'as pas dit que ton ami est si magnifique. Je dois l'avouer. Oh, merci. Si ça ne te dérange pas, j'aimerais qu'on sorte un peu ensemble. Hein, maintenant. Je pense que je devrais changer de tenue ou ça va? Alors, ma copine, qu'en penses-tu? Ça va? Eh bien, dans ce cas, allons-y. Oh mon Dieu, ça marche. Merci beaucoup. Tu vas apprécier okay. ça. Ok. Tu vas l'apprécier, crois-moi. Ça, c'est un bon tir. Merci. Je t'en prie. Tu sais, je préfère ici qu'au Royaume Uni. Et pourquoi ça? Au Royaume Uni, je dirais, on paie taxes pour presque tout. Oh, wow. Oh, ce qui veut dire, si tu tiens à le faire, tu devras tenir compte des conséquences. Exactement. Même ta grossesse, ton enfant qui n'est pas encore né, te fait payer des impôts aussi. Ce n'est pas comme ici au Nigeria, où nous avons la liberté pour presque tout. Ça, c'est plutôt intéressant. Maintenant qu'on en parle, je prépare un voyage d'affaires pour me rendre au Royaume-Uni. Wow. Pouvons-nous le planifier afin d'y aller ensemble? On peut y aller ensemble. Je crois que là, c'est à toi de jouer. Ok, laisse-moi te montrer mon talent. Selena, tu ne sais pas à quel point j'apprécie ta compagnie. Oh, c'est bien ça. Nous pouvons toujours être amis. C'est pas ça. Ce n'est pas ce que je veux dire. Écoute,
Je veux que tu sois ma femme. La mère de mes enfants. Je t'aime tellement. Wow, 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 Tony. Je ne pense pas que ce soit la bonne chose à dire. Je suis sérieux, Célina. Je pense vraiment mes mots. Mon père est là. Est-ce que ça va? Oui, papa, tout va bien. Salut, monsieur. Bonjour, jeune homme. Comment tu vas? Je vais bien, monsieur. Papa, je te présente mon ami, Tony. Tony, mon père. C'est un plaisir de vous rencontrer. Bienvenue. Oui, bienvenue. Je dois assister à une réunion importante. Oui. Alors, je dois juste monter, m'échanger et sortir. Occupe-toi de ton ami. D'accord, papa. Ok? Très bien. Wow. Qu'est-ce qu'il y a? Mais ton père est gentil. Ça, c'est bien, mon père. Très gentil. Père, je pensais t'avoir expliqué ceci avant. Mon cas et mes procédures judiciaires sont à Lagos. Nelson, écoute-moi. Malgré toutes les précisions que tu m'as données là, je ne suis pas toujours d'accord avec l'idée que tu ailles là-bas à l'église. Mais moi si, je suis d'accord. Laissons-le partir à l'église, au moins il va essayer. Maman dit qu'elle est confortable. Oui. Tu es d'accord avec l'idée? Oui. Partons. Tu vois, Père Gérard, ton petit garçon sera bien, je te l'ai dit. Montez, partons. Montez, partons. Nous sommes déjà en retard. Waouh, ça se voit que c'est vraiment délicieux. Honnêtement, c'est juste pour dire que ce n'était pas facile à faire ces plats. Tu es vraiment une bonne cuisinière. Ah ouais, tu peux le dire encore. C'est très bon. Toutefois, où est Comfort? Elle mange à la cuisine. Combien de fois ai-je dit à Comfort de ne pas manger dans la cuisine pendant que nous sommes sur la table ici? Comfort! Comfort! Monsieur, vous m'avez appelé? Oui, je t'ai appelé. Comfort, pourquoi tu manges dans la cuisine? J'étais en train de manger, monsieur. Je t'ai dit à maintes reprises de ne pas manger dans la cuisine. Tu fais partie de cette famille, non? Rentre là-bas, prends ta nourriture et rejoins-nous sur la table. Très bien, monsieur. Confort. Pourquoi tu ne nous as pas appelé pour nous faire signe? Et qu'est-ce qui t'a retenu pendant longtemps? Mes parents m'avaient demandé de retourner au village pour rencontrer l'homme qu'ils avaient choisi pour qu'il m'épouse. Mais je leur ai dit que ma madame en ville avait prévu de me renvoyer à l'école. Attends un peu. Donc tu veux dire que dans ces mondes, il y a encore ce genre d'histoire? Oh oui, c'est comme ça. En tout cas, au village, ça se fait. Nos parents se sont mariés comme ça. À ton absence, on peut choisir un homme pour toi, ensuite te le présenter. Sophie? Oui, tu as entendu? Donc c'est le temps pour toi de dire à Biodon de venir faire ce qu'il lui a demandé pour toi. Maman, tu as déjà oublié que papa m'a interdit de forcer le main de Jean.
Alors c'est juste pour ça, maman. Juste, dis-lui de venir s'acquitter à son devoir. Attends. Papa, je crois que tu te régales bien. Oh, tu peux le dire encore, ma chérie. Célina, je suis vraiment désolé, Célina. J'ai été emporté par ce que je ressens pour toi, Célina. Oh, tu veux juste fermer ta bouche? Je suis déçue de toi. Je mets un terme à toute communication qu'il y a eu entre toi et moi. Reste loin de moi, Célina, et efface mon numéro. Célina, s'il te plaît. Dégage! Oui. Qu'est-ce que tu fais dans le pays? Eh bien, je voulais te faire une surprise. Non, ce n'est pas une surprise. Mais mon chéri, bébé, tu m'as manqué. Comment vas-tu? Bébé, tu m'as manqué, excuse-moi. Loïs, ça fait seulement 2 jours que j'ai parlé avec toi. Tu ne m'as jamais dit que tu venais au pays. Eh bien, bébé, comme je te l'ai dit, je voulais en faire une surprise. Où est le mal? Bon, je suis désolée. Oh, chérie, je suis vraiment fatiguée. J'ai envie de me rafraîchir. Ah. Et je veux que tu m'aides à frotter le dos. Tu sais, non? Tu sais comment on fait. Allez, vas-y, viens. Ah, je t'attends. Chérie, j'espère qu'aucune femme n'est venue ici quand je n'étais pas là. Ah, je vais me doucher, je suis fatiguée. Il y a quoi? Quel est ton problème? Arrête cette folie. Arrête! Il y a quoi? Quel est ton problème? Mais chérie, je suis excitée. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu te mets en colère? Je veux juste faire l'amour. Je suis excitée. Mon corps a envie de toi. Tu veux faire l'amour? Oui. C'est pour ça que tu es revenu des États-Unis? Non, tu es revenu des États-Unis juste pour faire l'amour avec moi? Ah, mais chérie, fais juste ce que tu as à faire. Tu sais comment tu fais. Tu sais comment j'aime, comment ce que tu aimes me faire. Fais-le seulement. Tu es très stupide. Comment vas-tu arrêter cette folie? Écoute, je suis très, très fatiguée. Je veux que tu arrêtes ça. Écoute. Je suis très, très fatigué. Ne laissez plus cette foutaise. Ne laissez plus. Ne laissez plus.
Oh, oh. Bébé, mais tu vas où? Tu ne veux pas que je dorme. Tu ne veux pas que je dorme. Oh, mais chérie, écoute, moi je suis excitée. Écoute, prends cette chambre et ce lit à toi seul. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Chérie. Je te dis de ne pas me toucher. Bébé, non. Oh. Bébé, t'es réveillé. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Bébé, je prépare. Oh non, bébé, je pensais que nous allions sortir pour acheter quelque chose dans l'un des restaurants. Bébé, il faut pas stresser. Ne fais pas de soucis, je peux le faire. Je me plains pas. Tu vois, je veux prendre soin de mon homme. Je veux que tu sois fort pour moi. Faut que tu manges. Je le sais, bébé, je le sais. Mais j'insiste que tu arrêtes. Tu n'as pas besoin de te stresser avec la cuisine. Mais bébé, te pose pas de questions. Ça va, allez, vas-y, va. Je t'apporte ton déjeuner tout de suite. Toi, pars, laisse-moi prendre soin de toi. Hé, vois comment tu me distrais. J'arrive, hein? Elle ne prend toujours pas mes appels. Est-ce à dire que tu ne lui as pas parlé hier nuit? Chérie, en tout cas, en ce qui me concerne, je te conseille, arrête de l'appeler. En tout cas, trouve-toi une autre femme et laisse-la faire sa vie.
grâce, tu ne comprends pas. J'aime Célina tellement. Si tu pouvais me comprendre, je ne veux aucune autre femme. C'est Célina seule que je veux dans ma vie. S'il te plaît, fais-le pour moi. Sini. Je vais te rappeler après. Grâce, attends. S'il te plaît, aide-moi à parler à Célina, s'il te plaît. C'est qui cette Célina? C'est à toi que je parle. C'est qui cette Célina? Oh, c'est donc elle la raison pour laquelle tu me traites comme une moins que rien. Je suis une vieille chaussette. C'est à toi que je parle. Oh, Seigneur. Calme-toi, laisse-moi expliquer. Expliquer quoi, Sydney? Tout ce que tu étais juste stupide et idiot. Tu n'es qu'une merde. Et je regrette tout ce que j'ai pu vivre avec toi. Peux-tu te calmer? On te ferme ta bouche. Tu dois te taire. Tiens, prends ça aussi. N'importe quoi. Merde, tu es mon problème. Quand il arrive à cette question de relation, tu ne fais rien pour moi. Tu ne m'aides pas du tout. Tu es mon problème. Dommage. Je l'ai toujours dit. C'est vrai? Ouais. Mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Père, à l'heure où nous parlons, Lois est dans ma maison. Elle est dans ma maison. Elle est au Nigeria. Comment est-ce possible? Mais il y a deux jours passés qu'elle était au Royaume-Uni. C'est ça. C'est ça. J'ai parlé avec elle, ça fait deux jours. Et elle ne m'a pas dit qu'elle venait au Nigeria. Elle n'a rien dit et je l'ai seulement vue dans ma maison cet après-midi. Et quand je lui ai demandé, elle a dit. Je suis là pour te surprendre. Je ne te l'ai pas dit parce que je voulais te surprendre. Me surprendre? Te surprendre avec une visite? Mais c'est quoi cette visite? Père, c'est exactement ce que je dis. C'est exactement mon point. Père, je l'ai dit. La mère est mon problème. Parce qu'elle a refusé d'agir en tant que mère. Je vous ai dit, père, mère, je vous ai dit que je ne veux pas cette fille autour de moi. Je ne la veux pas dans ma vie. C'est Célina que je veux. Mon fils, attends un peu. J'ai entendu mentionner les noms de Célina. Dans ce cas, c'est toi la cause. Tu es la cause. Aucune femme ne l'acceptera d'un homme. Non, pourquoi ne pas la soutenir? C'est ça. Père, tu as vu ça? Ma mère est mon problème sur cette question de relation. Quand il arrive à cette question de relation, ma mère est mon problème. Elle ne fait pas son travail en tant que mère. Je t'ai dit que je ne veux pas Lois. Je veux Célina. Célina est celle que je veux. C'est simple. Ça va, mon fils. Sydney, pourrais-tu m'écouter? Père, la seule condition où ce sera OK est de prendre ton téléphone et appeler la fille là et lui demander de quitter ma maison maintenant. Où elle veut aller, je m'en fous. Ça va. Maintenant, écoute-moi. Je peux lire ton cœur, même à partir de ta voix. Je sais ce que tu ressens et je te comprends. Mais je ferai tout ce qui est humainement possible pour m'assurer qu'elle retourne au Royaume-Uni. Mieux. Père, si tu pourras faire ça, je te dis que ce sera mieux. C'est mieux. Je le ferai. Chérie, ce garçon, je ne le vois pas se plaisanter, hein, tu vois cette fille? Et pourquoi elle ne veut pas d'elle? N'est-elle pas un être humain? N'est-ce pas qu'elle a aussi des sentiments? Ouais, tu la comprends mieux. Tu es une femme. Mais moi, je crois que tu dois continuer à parler avec Loris. Parle avec je lui. Je le ferai. Je vais gérer ça. S'il te plaît. Ça va.
retour. Bon arrivée, chérie. Bébé. Oh, bébé. Je suis désolée, bébé. Je sais que tout ce que j'ai fait, c'était mal, c'était exagéré. Je t'en prie, mon amour, pardonne-moi. Bébé, s'il te plaît, parle-moi, papa, parle-moi, dis-moi quelque chose. Chérie. Loïs. Chérie. Nous ne sommes pas compatibles. Non. Non. Non, bébé. Écoute. Nous ne sommes pas compatibles. Ne vois-tu pas que cette relation ne marche pas? Non, chérie. Bébé, tu n'as pas à dire ça. Toi, tu es à moi. Ça me fait pour être ensemble. Bébé! Séné, je t'aime! Oh, mon Dieu. Chérie, mon chéri, tu es à moi. Tu es à moi, c'est ce qui est écrit. Tu es à moi pour toujours, c'est pour la vie. Mais chérie, mon cœur, je t'aime. Je l'aime. Je t'aime. Tu peux pas me repousser. Moi, je t'aime. Oh. Je crois que venir ici va changer quelque chose. Hein? D'abord, tu as joué à l'hypocrisie pendant que tu veux avec mon fils. Tu as saboté les ordres que mon fils t'a donné. Hein? Tu viens ici pour dire encore quoi? Je sais faire ce que tu as fait à mon fils. Mais maman... S'il te plaît, allez, ferme. Hé, hey, je ne suis pas ta mère. Ça va, ma fille. Mais, papa... Ça va. Je comprends que c'est ça, le système dans le pays des Blancs. Mais ici, en Afrique, tu dois respecter un homme. Je dis, tu dois respecter un homme. On ne traite pas un homme comme ça. Je dois le dire. Tu n'as aucune raison de traiter mon fils comme tu l'as fait. Tu n'as aucune raison. Mon seul fils, non. Je ne peux pas accepter ça. Jamais. Mais maman, je suis venue ici vous présenter ma doléance pour m'aider à parler à votre fils. Mais je trouve que ma présence vous dégoûte. Très bien, je vais quitter ce pays dès demain matin. Allez-vous-en chercher une autre personne pour votre fils. Excusez-moi. Chérie, tu vois cette fille? As-tu entendu ce qu'elle a dit? Elle vient de marcher sur nous. C'est pourquoi mon fils s'est plaint tout le temps à propos d'elle. Vraiment, elle est sans manière. Non, franchement, stupide fille. Loïs peut être une bonne fille. Mais elle a un tempérament chaud. Je ferai tout ce qui est humainement possible pour rencontrer Célina. Choma, madame, ta présence a beaucoup contribué dans cette famille. Et tant bien que mal, ton aide était d'une grande importance. Nous sommes contents de toi. Merci, madame. Merci, monsieur. Depuis que vous m'avez accueilli dans votre foyer, vous avez changé ma vie. Et je vous en serai toujours reconnaissante. Vraiment, merci beaucoup. De rien, ma chérie.
Ne parle pas beaucoup, Tiama. Je vais aussi t'apprécier. Et je vais te dire que tu es assez donné. Hein? Je vais augmenter ton salaire de 5 à 15%. Et n'hésite pas d'approcher ta madame quand tu es dans le besoin. Merci. D'accord? Beaucoup. Je t'en prie. Merci, madame. Recevez ma reconnaissance. Oh, ça va. Mon Dieu. Ça va. Je suis reconnaissante. Non, ça va. Merci, maman. Ok, ma chérie, tu es c'est bon. Lève-toi. Lève-toi. Merci, madame. Ok. Merci, ouais, madame. Ça va. Okay. En attendant, cherche-moi quelque chose à boire. Je t'en prie. À moi aussi. As-tu cherché partout? Oui, boss. J'ai cherché partout. Tu m'assures que tu as cherché partout? Oui, boss. Trouve-moi cette fillette. Cherche partout dans la cuisine, salle de bain, chambre, partout. Jolie, mon pote. Je dois consommer ça vite. Écarte tes jambes. Laisse-moi, laisse-moi. Méchant, laisse-moi, laisse-la. Monsieur, vous m'avez appelé. Oui. Où est Célina? Monsieur, je ne sais pas. Est-il possible qu'elle ait décidé de passer nuit avec ses amis? Bon, t'en fais pas. Je verrai quoi faire. Ok. Tu peux t'en aller. Ça sera... De ce fait, apporte-moi une boisson. Attends. Ah, ça y est. Ah, ok, je l'ai vu, Désolé, je l'ai vu. Je l'ai d'ailleurs touché. Mais grâce, tu traînes. Madame. Célina. Oui, papa. Oh, ok, tu es là. Tu vois là. Bonjour. Bonjour. Ça va toi? Où est-ce que tu vas? Oh, j'ai eu un appel urgent de la part du bureau. Alors, je vais m'y rendre et puis voir ce qui se passe. J'espère que tu ne vas pas durer longtemps. Non, je vais juste pour voir si les choses sont en ordre et puis je vais rentrer. Ne dure pas là-bas. Non, je ne vais pas. Je vais me sentir seule. Non, je ne vais pas durer. je t'aide. Très bien, alors. Prends très bien soin de toi et occupe-toi également de la maison. Bien sûr. Très bien. Je suis très déçue. Grâce, comment as-tu pu? Comment t'es-tu permise de te faire utiliser? Maintenant, tu considères cette maison comme une sorte d'hôtel dans lequel tu vis. Donc maintenant, à tes yeux, cet endroit, c'est un hôtel où tu viens t'amuser. Pour vous, c'est un lieu où vous pouvez entrer et sortir et y faire n'importe quoi. Vous vous servez du cadre pour faire vos petites affaires sans payer.
Tu n'as vraiment pas peur, toi, Ojo. Tu quittes le poste pour lequel tu es engagé pour te rendre dans ma cuisine pour tripoter la cuisinière qui fait à manger, y compris pour toi. Hors de question de continuer à voler avec vous dans cette maison. Désormais, vos services ne nous seront plus utiles. C'est elle qui avait insisté. Madame, désolée. S'il vous plaît, madame. Madame, ne me faites pas ça. Ne me faites pas ça. Il a insisté. Allez dans vos chambres. Je vous jure. Rassemblez vos affaires et partez. Non, désolée, madame. Pardon, madame. Pardon, madame. C'est elle. Hors de ma vue. Rassemblez vos affaires et quittez. Madame, je... Biado, je suis déjà fatigué. Je veux quitter. Je veux retourner au Royaume-Uni. Je sais, Biado. Mais suivre Selina de gauche à droite est une perte totale de temps. Elle ne me veut pas dans sa vie. Je sais que si je suis au Royaume-Uni, je trouverai une bonne femme qui m'aimera et me chérira. Et je l'aimerai en retour. Tout ce que je veux que tu fasses maintenant, c'est de prendre soin de toi. Et prends soin de ta chère chérie, ok? Je sais, définitivement. Je t'appellerai quand je serai au Royaume-Uni. Je sais. Prends soin de toi. J'arrive. Fais vite. Monsieur, tu m'as appelé. Je veux une bouteille de plus. Ok, monsieur. Papa. Oh, bonjour chérie. C'est comme si tu ne pars pas au travail aujourd'hui. Oui, on peut dire ça, mais ce n'est pas tellement ça. Dans 2 semaines, je vais entamer un gros dossier qui est un cas vraiment très compliqué. Est-ce un dossier criminel? Plus grand que ça. L'accusé est un homme de Dieu renommé. Oh mon Dieu! Et les avocats de la partie adverse sont Nelson et Timothée. Ce sont 2 grands liants en matière pénale. Ça semble très intéressant, mais c'est aussi un grand défi. De toute façon, je te fais confiance. Merci. Céline, s'il te plaît, rappelle Grace et Ojo qu'ils viennent reprendre leur travail ici, s'il te plaît. Depuis que tu les as virés, c'est devenu complètement difficile pour nous de pouvoir gérer cette maison. Même pour conduire. Où veux-tu devenir mon chauffeur maintenant? S'il te plaît, quoi qu'ils aient pu faire, rappelle-le, ils font partie de cette famille. À plus tard.
Sophie, tu es mon amie, oui. Et nous sommes amies depuis plusieurs années maintenant. Et je comprends bien ce que tu essayes de me dire. Mais il faut aussi que tu voies les choses de mon point de vue. Sophie, il s'agit de ce même Tommy avec qui j'ai été. Oui, tu sais, il n'est pas ce que tu penses qu'il est. Non, mais je te dis, ce mec ne veut pas de moi. Oui, tout ce qui l'intéresse, c'est ce que je peux lui apporter. S'il te plaît, Sophie, ça suffit. Est-ce qu'on peut changer de sujet? C'est bon maintenant. Très bien. Est-ce qu'on peut parler plus tard? Oui. T'en fais pas, on se verra. Alors maître, dites-nous, c'est quoi la prochaine étape? Bien, nous allons en appel. Et je crois que nous allons trancher en ce qui concerne ces cas. En ce qui nous concerne, nous sommes déjà en possession de toutes les investigations allant dans ce sens. Donc c'est la dernière étape. Alors dites-nous maître, si les droits n'est pas dit, allez-vous contester ou... Non, ça ira. Bien sûr que oui, ça ira. Je vous remercie. Oh maître, s'il vous plaît. Maître, s'il vous plaît, une question de plus, s'il vous plaît. Êtes-vous chrétien ou musulman? Je suis chrétien. Alors placez votre main sur cette Bible. S'il vous plaît, répétez après moi. Je jure. Sur cette sainte Bible. Sur cette sainte Bible. Que les preuves. Que je vais donner. Devant cette honorable cour. Sont vraies. Très vrai. Rien d'autre que vrai. Aide-moi Dieu. Merci. Les parties présentes. Gil Nelson, je comparais pour le défenseur. Je suis OJ Toulou. Je représente la partie plaignante. La parole est accordée à la partie plaignante pour son accusation. On vous suit. Mais c'est Dieu. Est-il vrai que vous êtes un assassin, un grand dealer, violeur et kidnappeur? Non, votre honneur. Monsieur Joe, avez-vous déjà été impliqué dans un assassinat? Non, votre honneur. Bien, et qu'est-ce que vous allez dire du paquet de cocaïne qu'on a trouvé dans votre voiture? Je n'en sais rien. Monsieur Joe, nous avons de preuves que vous étiez impliqué dans l'affaire d'assassinat qui s'est passée dans la maison d'ingénieur Dev. Vous pouvez en dire plus? Qui vous avez envoyé? Monsieur Joe, les preuves qui ont été soumises devant cette cour nous donnent juste une explication. Que vous êtes en effet un kidnappeur, un dealer de drogue, un assassin et un violeur. Objection, mon seigneur. Ce n'est pas qui il est. Objection rejetée. Maître, continuez. Merci, votre honneur. Monsieur Joe, vous savez bien ce que vous avez fait. Et aucune sorte d'invocation spirituelle ne pourra vous épargner des conséquences de vos actes. Vous devez subir la rigueur de la loi. J'ai dit... Le jugement sera prononcé au prochain plaidoyer. Ce dossier est reconduit pour le 20 novembre. La cour. Oh, d'accord, je ferai ça. Okay. Merci beaucoup. D'accord, bonne journée. Au revoir. Salut. Hey, bonjour. C'était assez impressionnant votre défense. Vraiment pas mal. Vraiment? Bien, je n'ai fait que ce que je devrais faire. Ah oui. Je n'ai fait que ce qui était juste. C'est ce que vous avez fait aussi. Très bien. Vous voyez, c'est un plaisir de parler avec vous en tout cas.
vraiment, tout le plaisir est pour moi. Ouais, je pense qu'on peut s'échanger de contacts afin qu'on puisse avoir de bonnes discussions après. Vous voyez ça, mais qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi pas? Ok, vous voulez faire ça? Oh, okay, d'accord, faites ça. Allez-y. Oh, ça c'était bien. Vous savez, notre travail ici est compliqué. Il faut être articulé et intelligent à la fois, hein, vous voyez. Bon, très bien. Oh, d'accord. Ciao, ciao. Je vous appellerai. Ok, bye. Je suis venue vous repiocher, vous deux là, parce que votre absence dans la maison a vraiment causé à mon père et moi un gros déséquilibre. Parce que vous n'étiez pas que des simples employés, mais plus. Aussi vrai que ce que vous aviez fait est carrément mauvais, je vous ai pardonné. On dit que l'erreur est humaine et que le pardon est divin. Madame, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Je suis désolée pour ce qui s'est passé. Madame, désolée, pardonnez-moi. Ça ne va plus se reproduire. Je l'espère bien. Merci. Je t'en prie. Bon, les gars, quand souhaiteriez-vous commencer à la maison? Ce soir même, madame. Ce soir. Dès qu'on descend, nous allons aller récupérer nos affaires. Merci. Okay, c'est bien. Merci. Je vous attends dans ce cas ce soir. Oh mon Dieu. Mais vraiment, tu es dérangée dans ta tête. Pour toi, bébé. Je suis en train de tomber amoureux de toi. Et tu es amoureux de quelqu'un? Ouais, je suis amoureux de quelqu'une. Et cette personne, c'est toi. Tu vois, quelquefois, je me pose la question si je n'avais pas rencontré une créature si belle, intelligente et charmante comme toi. Que serais-je devenue? Là, tu me fais rougir. Honnêtement, crois le mot que j'ai employé, c'est de tout mon cœur. Mais non, pour ça, aimerais-tu qu'on utilise ce vin sucré ou bien vin alcoolisé? J'ai une préférence pour le vin blanc. D'accord, ok. Oh, quelle belle maison ton père a construite ici. Oh, très ravi d'être ici. Ok, d'accord. Merci. Oh, Céline. Oui, papa. Bonsoir, monsieur. Sois le bienvenu, s'il te plaît, prends place. Merci, monsieur. Ah. Oh, Papa, voici mon ami, Nelson. Et Nelson, je te présente mon père, l'ingénieur Dave Benson. Oh, wow. Monsieur, c'est mon plaisir d'être devant vous. Ah, Nelson, bienvenue. Merci, monsieur. Je t'accueille à bras ouverts. Merci. J'ai connu votre fille, Céline, ça fait quelque temps maintenant. Et j'admire sa personnalité et son intelligence. Oh, pas seulement que j'admire cela à son sujet. Je voudrais aussi saisir cette opportunité pour faire connaître mon intention. Monsieur, je voudrais épouser votre fille. Oh, vraiment? Oui, monsieur. Sérieux? Oui, monsieur. Je suis heureux de l'apprendre, Nelson. Oh, wow. Merci, monsieur. Que Dieu guide vos pas jusqu'à la destinée. Amen. Amen. Céline? Oui, papa. Occupe-toi de Nelson. Okay, je serai papa. Bientôt là avec vous, ok? Juste relax. Merci. Ok, je dois m'en aller, ok? C'est un plaisir. Merci, monsieur. J'apprécie vraiment. Merci, papa. Oh, ça va, ma fille. Waouh, un homme si jeune et beau. Ouais, je sais, n'est-ce pas? Tu lui as plu. Bien qu'il n'aimerait pas Nelson, le maître. Tu te prends pour qui, là? Bien, je me sens tant que Nelson, le maître. Oh, vraiment? Oh, merci beaucoup. Oh. Je t'aime, chérie.
Maître Nelson, dépêche-toi. Connais ce visage. Oh, désolé chérie, j'ai presque oublié ce dossier. Or, sans ça, on ne peut... Je reconnais ce visage. C'est vrai? Oui. C'est mon père, ça. C'est ce visage ici. Je ne sais pas, mais... Il y a quelque chose dans ce visage qui me... Écoute, ça c'est mon père. D'accord, d'accord, ça va, partons, on est en retard. On va voir ça après, d'accord? Bébé! Allô? Tout va bien? Peut-on partir? Ok, ok. Puisque tu dis que le visage était familier, est-ce à dire que tu as eu une affaire avec lui de par le passé? Écoute, je dois vraiment réussir à trouver... Bien, peut-être c'est une autre personne. Enlève ça de ta tête et partons. Allons-y, partons. Viens. Partons, chérie, partons. On est en retard. Pardon, s'il te plaît, allons-y. Minute, attends. Oui, oui, cet homme est dans mon souvenir. Il est... Oh, j'arrive pas à dire exactement où et comment. Non! Seigneur, est-ce que je m'en souviens si... Puisque tu ne peux pas te rappeler, laisse ça et partons. Je... Tu sais qu'on l'a fait comme au beau vieux temps. Waouh, c'était merveilleux aujourd'hui au tribunal. Je t'aime beaucoup, chérie. Père, ton petit garçon est revenu. Père. Nelson, bienvenue. Comment était la réunion à la cour aujourd'hui? Jésus. Oh. Céline. Monsieur. Sois la bienvenue. Tu es ravissante cet après-midi. Nelson, ton frère t'a-t-il appelé? Donald l'a appelé pour demander après toi. Il a dit que tu es injoignable. En fait, ils t'ont tous appelé vers 10h30. Mais t'es injoignable. J'étais au tribunal à l'heure là. Alors essaie de les joindre. Allons-y.
Tu n'as pas à avoir peur. Ce sont mes enfants. Celui-ci est un avocat. T'as vu ça? À son âge, il fait encore avec l'ego dans ses champs. Je vais m'occuper de toi. Imaginez. Bêtise. Tu penses être plus malin que moi? Bon après-midi, monsieur. Père. Je vais m'occuper de toi. Tu joues avec le feu. T'inquiète, s'il te plaît. Tu sens le mot de tête? T'es à la maison, d'accord? Il faut vraiment que je rentre. Pourquoi ne pas dormir ici? Oh, s'il te plaît, je dois rentrer. Il y a mon père qui m'attend. Je t'écrirai. Que j'appelle mon docteur? Non, pas la peine. Nous avons un docteur familial depuis longtemps. D'accord. Viens. Je t'aide à porter les chaussures. Ok, maintenant, lève-toi, je vais aller prendre les clés de la voiture. Lève-toi et partons. Ça va, tu te porteras bien. Ou bien veux-tu un verre d'eau? Ça va aller, merci. Bébé. 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 Tu vas bien? J'ai encore ce mal de tête. Ok. Désolé, tu te porteras bien, d'accord? Ou bien dois-je garer et te chercher quelques médicaments? Non, ramène-moi juste à la maison. D'accord, désolé, ok? Je pense qu'il te faut du repos. Salut, monsieur. Nelson. Doucement, doucement, assieds-toi. Hein? Assieds-toi. Chérie. Oui. Est-ce que tout va bien? Non. Je me sens fiévreuse. Je pense que c'est du repos qu'elle a besoin. Et je suis sûr qu'elle se portera bien. Ok. Emmène-la dans sa chambre, qu'elle soit confortable. D'accord, monsieur. Bébé, allons-y. Chérie. Ça va, ok? Ça ira. Ça ira.
Ouais, monsieur, elle se repose maintenant. Je suis sûr qu'elle se portera bien le moment où elle se sera réveillée. Comment se sent-elle maintenant? Elle va mieux. Très bien, alors, je vais faire appel au médecin familial pour le prendre. D'accord, monsieur. C'est évident que je ne vais pas te demander de la rappeler pour t'assurer qu'elle va bien. Si je ne le fais pas, qui le ferait? Je ferai ça. Ok, monsieur, je vais repartir maintenant. Très bien, sois prudent. Merci. Écoute, je vais te donner la suite de ce qui s'est passé l'autre jour. Mais rassure-moi que tu ne vas pas rire. Tu sais, il est arrivé à me faire. Allez, arrête. Tu t'avais bien dit de ne pas rire. Arrête. Oh mon Dieu, Célina. Ouais, c'est lui. Ouais, c'est lui. Salut, toi. Comment tu vas? Je vais bien. Tu vas bien? Ah, bien. Sophie, c'est hey, comment? Hello. Ouais, chérie, je t'ai acheté quelque chose. Oh, merci. Ouais. Oh, t'as tu aimé? Connais mon vin préféré. Je le sais. T'as aimé, n'est-ce pas? Ah, c'est bien. Ok. S'il te plaît, est-ce que tu peux lui raconter ce que tu viens de me dire là, tonton? Écoute. Célina, non. S'il te plaît. Arrête, ne fais pas ça. Hé, Sophie, il a quoi? Allez, arrête, ne fais pas ça. Allez, je suis ton ami, il y a quoi? Tu peux le mais dire. Mais vas-y, parle, non. Ok. Oh, mon Dieu. Ouais. En fait, hier, j'étais aux anges. Ah hey. Allez, arrêtez. Pourquoi je ne voulais pas vous dire, hein? Hey, hey. Nous sommes tes amis, écoutez. Mais arrête. Je ne manque pas qui va faire. Allô, Chief Joe. Est-ce que le paquet est prêt? Très bien, alors, très bien. Ça, c'est bon. C'est bon. Je serai là dans une heure. Je t'attendrai. Mais pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi es-tu comme ça? Vraiment de cette manière? Ok, ça va, ça va. Entre dans la voiture et laisse-moi t'aider. Ne te dérange pas, je ne te ferai pas du mal. Entre dans la voiture, laisse-moi m'occuper de toi. N'aie surtout pas peur. Non, ceci n'est pas possible. Il a une erreur quelque part. L'information stipule que ton père serait impliqué dans un trafic de cocaïne. Tu le sais déjà peut-être, mais comme c'est ton client, tu te réserves. Et l'autre plainte concernant le viol d'une fille est en pleine investigation. Bébé, je sais que mon père boit et fume, mais pas la cocaïne. Il est trop tard pour faire gober ça. Ceci est sérieux.
Bébé, ce que je m'avais te demandé semble être difficile. C'est mon père en question ici et ton futur beau-père. Es-tu en train d'essayer de compromettre mon intégrité? Quoi? Écoute, ce n'est pas juste ton père. Il est aussi mon beau-père en devenir. Honnêtement, je suis confuse. Bébé, passerais-tu ton jugement en faveur de mon père? Si toi tu étais à ma place, qu'aurais-tu fait? J'avais 7 ans. Hein? Oh bon. Ajoute-lui une autre balle. Maman! Madame, qu'est-ce? Madame! Hey! Madame est morte! Hey! Hey, madame! Madame! Madame, tu ne parles plus! Oh! Petite madame, arrête de pleurer! Mais ça, c'est quel genre de méchanceté comme ça? Aïe! Madame, s'il vous plaît, réveillez-vous! S'il vous plaît, madame! Oh mais mon Dieu, pourquoi ça? Pourquoi ça? Réveille-toi s'il te plaît, réveille-toi! Qu'est-ce que je fais pour mériter ça, oh mon Dieu? Pourquoi nous? Pourquoi? Arrête de pleurer, petite madame. S'il vous plaît, venez nous aider, oh! Nous sommes foutus, nous sommes foutus! La petite fille. C'est moi. Et l'homme dans le cadre. C'est Monsieur Joe. Ton père. Jésus. Quoi? Allô? Ouais, c'est qui? Je demande qui est-ce? Ouais, c'est Maître Nelson. Docteur qui? Ok, que voulez-vous? Je suis un peu occupé, donc parlez. Que voulez-vous? Quoi? Mon père? Oh, ok, ok. Je serai là. Je suis désolée, Maître Nelson, mais ton père est dans un état très critique. Il a besoin d'une transfusion urgente. Ok, ça, ce n'est pas un problème. Est-ce qu'on peut commencer immédiatement? Ok, dans ce cas, va au labo voir l'infirmière pour l'échantillon de ton sang. Ok, merci. Désolée, monsieur, il y a un problème. Ok. Les résultats du test que nous avons fait montre que vous n'avez pas le même groupe sanguin. Puisque tu es le seul fils de M. Joe, nous avons aussi fait le test d'ADN qui est sorti négatif. Alors désolé, tu ne peux pas être un donateur pour lui. Est-ce à dire qu'il n'est pas mon père? Je crains, oui, Maître Nelcy. Tu peux aller dans n'importe quel hôpital pour faire le même test, pour que tu trouves satisfaction. Il n'est pas mon père. Êtes-vous? Mère, les résultats du laboratoire ont montré que l'homme l'a couché sur le lit d'hôpital n'est pas mon père.
De quoi parles-tu, fils? Qui est mon père? Es-tu sûr que le docteur t'a donné le vrai résultat? Qui est mon père? Qui? Je dois commencer par parler maintenant. Qui est mon père? Es-tu prête à parler? Es-tu prête? Maintenant, parle. Fils, j'étais sorti une nuit avec un étranger. C'était l'occasion de la fête dynamique. Après ce moment, j'avais perdu ses contacts. J'étais en 6 mois de grossesse quand j'ai rencontré Joe. Nous nous sommes aimés. Et il m'a fait accepter avec la grossesse. Et nous nous sommes mariés. Après ça, on n'a pas fait d'autres enfants. Juste parce qu'il avait des problèmes de santé. Et c'est comme ça qu'on est restés ensemble depuis. Je suis désolée. Es-tu en train de dire que tu ne connais pas qui est mon père? Le seul souvenir que j'ai de lui est... Il avait une marque sur sa poitrine. C'est la même marque que tu as aussi sur toi. Non! Non! Je suis désolée. Monsieur, mon fils m'a raconté tout ce qui vous est arrivé. Je suis vraiment désolée de la peine que mon mari t'a causée. Toi, tu sais, tout ce temps qu'on a passé ensemble, il ne m'a jamais parlé de son passé. Il n'est jamais tard dans la vie. Nelcy a trouvé son vrai père. Pour l'instant, je suis vraiment désolée. Désolée. Bien, Dieu merci que nous l'ayons découvert. Mais j'ose croire qu'avec le temps, ils finiront par comprendre la situation dans laquelle ils se trouvent. Je le pense vraiment. Une fois encore, ingénieur Dives, je suis vraiment désolée. J'en regrette beaucoup. Sincèrement désolée. Allô, ingénieur.
Oui, tu vois. Tu vois le travail de construction, là. Oui, je parle de la construction. Je pense que nous devons vraiment accélérer avec les travaux. Ok? Je ne veux pas que le gouvernement ait comme l'impression que c'est mon entreprise qui freine la construction. Ok? Bien, alors, je vais t'appeler le lundi. En fait, je viendrai inspecter les travaux le lundi, ok? D'accord. Bye. Allô? Sydney? Ouais. Ouais, je vais bien, merci. Ok. Très bien. Bye. C'était qui? C'était Sydney, le fils du sénateur. Qu'a-t-il dit? Juste un appel pour savoir comment je vais. Oh, c'est vraiment gentil de sa part. Je pense que c'est un jeune homme bien. Et qui vient d'une bonne famille. Papa, je trouve que tu l'aimes bien. Bien, le jeune homme n'est pas aussi mauvais que ça, tu vois. Il s'y prend bien, considérant sa vie sociale et tout. Je pense que ça va. Bien, oui. As-tu quelque chose contre lui? Papa. Quoi? Allô, docteur. Allô, chief. Comment va ta journée? Pas mal, chief. La personne dont tu m'avais parlé l'autre fois, il est ici, dans notre hôpital. On lui a tiré dessus. Il saigne énormément. Alors, je ne sais pas, êtes-vous au courant qu'on lui a tiré dessus? Oui, je sais qu'on lui a tiré dessus. Mais je ne sais pas qu'il est toujours en vie. Il est en vie, chief. Il est dans la salle d'urgence. C'est quoi vos ordres? S'il te plaît, élimine-le immédiatement. Tu m'attends? Élimine-le immédiatement. Et apporte-moi le colis. Faites-moi confiance, chief. S'il te plaît, fais ça immédiatement. Ça sera fait. Aussi vite que possible, fais ça, c'est clair? Et viens avec ton colis. Donc, ces gars veulent jouer avec moi. Ça ne se passera pas. Ça ne se passera pas. Ça ne se passera pas. Est le seul qui est au courant de cette affaire. Mais je ne lui fais pas confiance. Quand il arrive, élimine-le. Oui, boss. Élimine-le. Oui, boss. Il ne m'échappera pas.
J'espère que tu as tué ce gars. Chief, tel que vous l'aviez instruit. Ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Ça c'est pour toi. Pour le bon travail. Chief, ça c'est beaucoup. Non, ce n'est pas beaucoup. Pour le bon travail, ce n'est pas beaucoup. Chief, merci beaucoup, mais je dois déjà partir parce que j'ai d'autres patients qui m'attendent là-bas à l'hôpital. Je dois prendre soin d'eux. Pourquoi ne pas au moins prendre ce verre pour le bon travail? Ok, tostons pour ça. Okay. En fait, Chief, je dois déjà partir. À qui pourrais-je remettre ce verre? Allez, prends ça. Merci. Allez, bonne journée. Ok, Chief. Chief, on s'est très bien entendu, j'espère. C'est Pablo et moi qui allons exécuter ces plans. Donc l'argent, vous allez nous les remettre. Vous savez, Chief, ça a toujours été un plaisir de travailler avec vous parce que vous savez toujours comment prendre soin de vos collaborateurs. Voilà pourquoi à chaque fois que vous avez besoin de nous, nous sommes toujours là, nous répondons présents, à chaque fois. Si Pablo l'apprenait, il va marcher. Qui n'aime pas l'argent? Tout le monde aime l'argent. Oui, exactement, faisons-le comme ça. Je suis partant et je serai toujours partant. Oh, Pablo. Je t'observe. De quoi es-tu en train de penser? Pablo. Je suis juste en train d'écouter quelque chose dans ma tête. Joe. J'ai un plan. Parle-moi-en. Thank you.
Le père de Nelson avait envoyé des crapules pour te tuer. Tout s'est passé le jour où tu voyageais. Alors, chérie? Oh, chérie, ne prends pas beaucoup de temps. Oh, chérie, je te promets. Je serai de retour à temps, ok? Je te promets. Ok. Tu vas beaucoup me manquer. Tu vas aussi me manquer. Mais que je te manque pas trop parce que je serai de retour avant la nuit, ok? Au revoir, papa. Ok? Allez, ma puce, moi je m'en vais. Prends soin de toi, ok? Je serai de retour bientôt. Que je t'apporte quoi? Oui. Le chocolat. Ok, prenez soin de vous. Mouais. Prends bien soin d'elle. Ok, prends bien soin de toi, je dois partir chérie. Maintenant. Je suis en retard. Au revoir, mes amours. Ces bandits étaient venus pour toi. Mais ils ne t'ont pas trouvé. Maman a été violée et tuée. Papa, qu'est-ce qu'il y a entre toi et ce chief? Pourquoi est-ce qu'il voulait te tuer? On avait la même profession. Et au même moment, il ne voulait pas de la compétition. C'est à cause de ça qu'il avait décidé de me faire descendre. Dave, je t'ai déjà prévenu. Et je te préviens encore. Renonce à ce contrat de l'industrie, Chuck Conan. Ce contrat est le mien. Tu n'as pas ce qu'il faut pour exécuter un tel contrat. Je te préviens, renonce à ce contrat. Sinon, je vais te tuer et éliminer toute ta génération. Bêtise. Chérie, j'aimerais te dire quelque chose. Ok. En fait, ça me dérange depuis le matin. C'est quoi? Est-ce que tu te rappelles du contrat dont je t'avais parlé récemment? T'as oublié? Tu m'as parlé récemment d'un contrat. Oh, celui-là? Oui, c'est ça. Ok. Est-ce que peut-être, par hasard, tu m'as entendu appeler Chiflekan au téléphone? Oh oui, Chiflekan. Oui. Peux-tu imaginer qu'il m'a appelé et il me disait d'abandonner, il me menaçait d'abandonner ce contrat-là, que je ne mérite pas. Donc moi, je ne mérite pas de signer ce contrat. Plutôt lui. Pour ses postes. Et c'était quoi ta réponse? Bébé, faut me faire confiance. Je lui ai dit qu'il ne vaut rien. Eh ben oui. Rien du tout. Tu devais entendre la manière dont je lui avais répondu au téléphone. Pour ça, je te fais confiance. Ah. Et c'est franc pour qui, lui? Je n'ai jamais compris son attitude. Quel serait ton contrat? Est-ce que ça a un sens, vraiment, chérie? Aussi longtemps que c'est moi qui ai signé ce contrat, avec ma signature, je l'exécuterai. Fais-moi confiance, non? Tu as mon soutien. Je lui ai dit qu'il ne valait rien. Fallait voir comment je lui avais parlé. Oui. Imagine. C'était juste en train de me déranger, tu vois. Faut pas te déranger. Je tenais chérie. À t'en parler. Tu as déjà le contrat. Alors tu te déranges pourquoi? Je ne sais pas, mais. Tu l'as déjà. Avance juste avec. Il ne peut plus rien. Oui. C'est ce que je lui avais dit. Oui. Les contrats qui va nous sortir de cette pauvreté. Il n'y a rien. Tu as mon soutien. Je sais, bébé. Aussitôt que j'ai reçu l'appel concernant l'incident, j'étais immédiatement rentré au Nigeria. Alors, Chief Lekan avait violé et tué ma femme. Allô, détective Vera. Il y a une situation ici dont j'aimerais que tu fasses une enquête. S'il te plaît, viens chez moi immédiatement. Oui, merci.
selon les informations reçues, le chief Nekan de Brockbrood, nous avons des évidences que personne ne peut nier. Intéressant. L'exécuteur de Nekan est bel et bien Monsieur Joe Abos. J'ai avec moi les preuves et des informations d'une source sûre, y compris les cas de meurtre, de la mort, d'abus sexuels. Tout cela suffuse. Monsieur Joe, y compris le docteur à l'hôpital général. Ce dossier est assez crédible. Ce dossier est assez bon pour qu'on l'emmène en justice. Oui, c'est ça. Merci. Merci beaucoup, détective Vera. Détective Nelcy. Oui, présente. Ingénieur Dive, Céline, je vous prends congé. Très bien. Merci, détective Vera. À bientôt. Merci beaucoup. Encore. Après toutes les preuves reçues et les arguments avancés des deux parties, cette cour vous juge coupable pour crimes de viol et d'abus sexuels. Pour ces crimes précités, conformément à l'article 357 et 218 du Code pénal, vous devez purger de la sentence de la prison à vie. La cour... Grand gamin. Tu sais à quel point j'étais déprimé. Oh, tu vas me faire pleurer. Pourquoi? Je me vois ta larme. Ah, mon amour. Je ne savais pas que ce jour allait venir. Toute chose s'est passée en ma faveur. Je remercie Dieu qui nous a ramenés ensemble.
Je t'aime beaucoup. Et je t'aime aussi. Avez-vous terminé vos préparations pour le mariage? Eh oui, papa. Hâte d'arriver au grand jour.